Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 29 janvier et je vais faire avec vous le bilan de ma troisième semaine. Alors semaine qui dans l'ensemble a été plutôt calme. J'avoue que depuis le début du mois de janvier financièrement c'est assez calme, tant mieux hein, pourvu que ça dure. Puis au moins ça me permet de faire aussi quelques économies. Donc on va voir un peu ce qui s'est passé dans mon budget cette semaine. Alors déjà au niveau alimentation, pour ma semaine 3 j'avais un budget de 100 €. Budget que j'ai respecté et ça m'a permis aussi de faire une économie de 23,94 €. C'est le grand retour des billets de 5, c'est cool. Donc je vais tout de suite remplir pour ma semaine 4. Donc là, il me reste 50 € dans l'enveloppe. Alors, au niveau animaux, ça n'a pas bougé, il y a toujours les 10 €. Dans l'enveloppe entretien et hygiène, j'avais un budget de 20 €. J'ai eu une dépense de 3,80 €, un peu plus que la semaine dernière. Donc, il me reste 16,20 €. Donc là aussi, niveau entretien et hygiène, en ce moment, c'est plutôt calme. Normalement, ça devrait bouger un peu plus la semaine prochaine. Et encore un billet de 5. Donc là aussi, je vais tout de suite mettre pour la semaine prochaine 20 € du coup. Dans l'enveloppe maison, ça n'a pas bougé non plus. Pourtant, je dois reprendre de l'encre pour mon imprimante. Mais bon, j'y pense pas en fait. Hein. Simplement, je n'y pense pas. Donc, mais il va quand même falloir que j'y songe hein, quand même. Donc 50 € sont toujours dedans. Hein. Je vais les mettre sur le côté. Au niveau du jeu d'argent, là non plus, ça n'a pas bougé. Du coup, là aussi, je vais remplir. Dans l'enveloppe plaisir, eh ben, y a rien eu non plus. Donc, il me reste les 10 €. Hop. Du coup, je vais mettre les 10 autres € pour la semaine prochaine. Alors, simplement, enfin, juste quand même, je le dis, hein, on ne fait pas exprès de ne rien dépenser pour pouvoir économiser. Hein. C'est parce que c'est comme ça, quoi. Il y a des fois où on va beaucoup dépenser, puis des fois où ça va être plus calme, où on va avoir un peu moins le goût, parce qu'on n'aura pas nécessairement le moral, ou parce que voilà, il y aura quelque chose, ou on aura simplement moins le goût de consommer. Puis bah, des périodes où on va beaucoup, beaucoup consommer. Donc c'est vraiment pas fait exprès, hein. C'est parce que c'est comme ça. Au niveau carburant, bah, on a été 2 fois à la pompe. Donc on a dépensé 40 € cette semaine au lieu des 20 prévus. Donc bon bah voilà, hein, tant pis, on verra bien. Donc il reste plus que 20 pour la semaine 4. Et au niveau des paiements par carte bancaire, là c'est pareil, ça n'a pas encore bougé. Franchement, on n'a vraiment pas le temps, que ce soit le coiffeur pour mon conjoint ou moi pour l'institut, on n'a vraiment pas le temps ces derniers jours. J'aimerais bien quand même pour la semaine prochaine que ça bouge à ce niveau-là. Donc on verra ça. Donc voilà pour ce qui s'est passé dans mon budget cette semaine. Donc je suis plutôt contente. Hein. Après, je suis moi-même étonnée, hein, parce que c'est vrai que de base, on dépense quand même pas mal. Mais bon, comme je viens de vous le dire, hein, y a des périodes avec et des périodes sans. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir compter combien j'ai économisé pour cette semaine 3. Ouais. Et puis bah, je vous reprends. Du coup, pour cette semaine, j'ai pu faire une économie de 55,14 €. Donc je suis assez bluffée de cette économie. Hein, tant mieux, hein. Ce que je vais faire, bien sûr, c'est que ces 3 billets de 5, je vais venir les placer dans mon épargne des billets de 5 €. Ça, je vais venir le mettre dans mon classeur. Et les pièces, je m'en occuperai après avec ce que je vais vider dans mon porte-monnaie. Il n'y a pas grand-chose, mais bon. Du coup, mon épargne des billets de 5 €, j'étais à 60 €, donc je vais passer à 75, ce qui est vraiment pas mal, ça augmente tout doucement, ça augmente. Donc, voilà, voilà. Hop, du coup, maintenant, je vais vider ce qu'il y a dans mon porte-monnaie. Comme je vous disais, il n'y a pas grand-chose. Donc là, en monnaie bonus, j'ai 1,54 €, oui, voilà, 1,54 €. Du coup, tout ça, ça va venir dans la tirelire.
ici, dans la tirelire, je suis à 3,30€. Les 30€ que j'ai échangés toute cette semaine. Ça, je vais venir les mettre, du coup, derrière. Donc, voilà. Du coup, là, au total, dans ma tirelire, j'ai 15,70€. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre directement le billet de 10€ de mon enveloppe plaisir. Et je vais mettre 10€ en pièces. De toute façon, c'est même un peu plus pratique comme ça pour nous. Hop, voilà les 10€ en pièces. Voilà, voilà. C'est mieux parce que, par exemple, si on prend un café dans une machine à café, tout ça, c'est quand même mieux d'avoir des pièces. Du coup, ma tirelire est à 5,70€. Les 10€, du coup, je les mets à l'intérieur. Hop. Je viendrai les épargner la semaine prochaine. J'aurais pu le faire là, mais bon, je le ferai la semaine prochaine. Et donc, et ben voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, bah du coup, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous aurez fait de belles économies. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Moi, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous souhaite une très belle semaine. Et on se retrouve dimanche prochain pour faire le bilan de ma 4e semaine. Jusque-là, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!